Bonjour et bienvenue, un peu plus de Tarkov. Donc on est reparti, on a une mission assez simple. Assez simple, mais qui va prendre beaucoup de temps. Et honnêtement, ça commence un peu à être chiant, parce que c'est pas compliqué à faire, mais ça prend du temps et c'est un peu, on va dire, aléatoire. Donc on doit tuer des raiders sur réserve. Alors, des raiders sur réserve, en fait, à la base, il n'y en a pas. Il y en a nulle part à ma connaissance. Il y a juste le boss qui se balade avec ses gardes et tout ça. Il y a des scavs évidemment, il y a des PMC évidemment. Mais il n'y a pas les raiders à la base. Pour faire apparaître des raiders, il faut. Vous avez des leviers à activer, ça va ouvrir des portes, activer genre des générateurs, de la lumière et tout ça. Et il y a une chance en fait que des raiders apparaissent aussi. Après, il y a un train qui vient, genre assez tard dans le raid. Il y a aussi une chance que des raiders apparaissent. Donc à chaque fois, à ma connaissance, c'est que de la chance. C'est que un pourcentage en fait de chance d'avoir des raiders ou pas. Donc c'est un peu problématique, c'est un peu long. Et de ce que je sais, je crois qu'il y a trois choses qui font apparaître des raiders. Donc vous avez un levier dans les sous-sols, on va le faire. C'est ce que je faisais en fait en boucle, mais j'avoue que j'ai fait genre 15 raids, j'ai dû tuer 5 raiders en tout. Donc bon, voilà, le pourcentage n'est pas super élevé. Et après, il y a un deuxième levier à activer, et après il y a le train à attendre. Donc ce sont les trois choses qu'on va potentiellement faire dans le même raid. Ça va pas être facile, honnêtement. Parce qu'on va devoir aller à des endroits assez chauds. Donc on est parti. On va utiliser cet équipement. Honnêtement, j'en ai marre des Comtac. Je préfère avoir des gros casques et tout maintenant. Surtout que j'ai débloqué juste avant le wipe. En fait, j'avais fait la quête pour pouvoir créer des ristés. Donc maintenant, je peux les créer moi-même. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc du coup, bah, j'en ai plein. J'en ai plein. Il suffit de prendre un Altine en fait et après de le transformer en Risté. C'est super cool. C'était une carte, c'était Escorte, je crois, la carte. Il fallait genre tuer des. Genre, je crois que c'est seulement 4 PMC, mais genre sur à peu près quasiment toutes les maps du jeu sans mourir. Donc voilà, ça c'est pour créer le Risté. Ça prend à peu près 40 minutes, donc c'est vraiment cool. Donc j'aime beaucoup ce casque. Donc ouais, on va utiliser une mutant. MK47 mutant, je sais qu'il y a sûrement personne au monde qui la mode comme moi, mais j'aime bien quand il y a beaucoup de balles dans le chargeur, ça me permet de tirer. Voilà, tout simplement. J'ai pas vraiment d'explication plus que ça. J'ai des balles, je tire. Voilà, tout simplement. Donc on va y aller. Donc on va faire ça. Donc en théorie, on va d'abord aller dans les sous-sols, c'est le plus simple. Après, on va remonter, on va réactiver un levier, puis après on va aller à la gare, on va voir s'il y a des trucs qui ont apparu. Et on va techniquement attendre à la gare que le train arrive. Donc ça peut être intéressant comme ça peut être très très chiant, honnêtement. Donc on va voir un peu ce que ça va nous donner. Ah, donc ouais. On a deux chargeurs de 73, on a 120 balles en réserve. Ça devrait être troqué, on devrait être bon. Je vais peut-être pas trop parler pendant les raids, parce qu'il faut quand même que je me concentre un moment. On verra. Si jamais je fais genre je parle pas du tout, sûrement je regarderai la vidéo en fait du raid et je parlerai par-dessus. Dernièrement, j'ai fait un raid assez sympa. J'ai encore combattu les Goons solo, c'était marrant. Donc peut-être que je le montrerai à la limite. Dans une autre vidéo, évidemment, parce que ça dure encore 20 minutes. Donc ouais, c'est ce qu'on va faire tout simplement. Donc on a une grosse armure, on a un gros casque, on a une arme qui a beaucoup de balles. C'est assez simple, honnêtement. C'est un peu le Juggernaut et tout ça. Enfin, après, on a la force au maximum, donc nos armes pèsent pas de poids. Il n'y a pas de poids en fait sur nos armes. Donc déjà, ça aide énormément. Donc oui, je peux me permettre en fait d'avoir des grosses armures, des gros casques et tout ça. Vu que je peux relocaliser en fait ce poids autre part. Donc j'en profite à fond en fait. C'est vraiment bien d'avoir la force en élite, c'est vraiment vraiment bien. Alors le truc c'est qu'on va rester longtemps, donc on va devoir trouver un peu de nourriture et de boisson. Enfin après techniquement pas vraiment honnêtement, ça devrait être tranquille. Le plus dangereux ce qui pourrait se passer en fait c'est de tomber sur le boss. C'est un peu le plus chiant en fait de réserve, donc on va voir un peu comment ça se passe. Mais les boss, les pourcentages des boss sont très très bas depuis le wipe. Ah, il pleut en plus, c'est bien. Alors, où on est? Eh ben très bien. Ok. Très bien, on est au premier endroit.
Donc pour ceux qui savent pas, ça c'est la visière. Donc ouais, c'est plutôt sympa. On a les tripwires qui ont été intégrés dans le jeu maintenant. Donc on prend une grenade, on lui met un câble et on peut le tendre et tout et la mettre au sol. Donc en PvP c'est vraiment bien, en PvE. En PvE c'est beaucoup moins intéressant. Car les scaves peuvent désamorcer en fait. Peuvent désamorcer les câbles et apparemment ils ont ultra instinct ou des fois ils vont genre courir sur les câbles et les désamorcer en quelques secondes. Donc c'est un peu débile. Donc du coup c'est pas super super utile. Ok. On a l'air d'être tranquille. Alors, on va activer le levier, ce qui a une chance de faire apparaître des raiders. Par contre, on va repartir par où? C'est ça la question. Parce qu'en fait, je sais sortir du raid depuis là, mais après, c'est tellement un gros labyrinthe que je vois pas trop par où passer pour remonter. Après, j'ai envie de dire, une fois qu'on est en haut, on s'en tape. Hein. Une fois qu'on est en haut, on est en haut, quoi. Après, à l'extérieur, je me repère. Il n'y a pas vraiment de problème. Pourrais passer par là. Donc ça, c'est le premier. Est-ce une coïncidence? Normalement, les raiders, je crois qu'ils apparaissent de ce côté-là, bah. Ah non. Bah, est-ce que c'était un raider? J'en sais rien. Ça n'a pas l'air d'être un raider. Vu son équipement. On a combien de temps? 35 minutes. On va regarder là-bas, puis après on se casse. Bon, allez, cassos. Alors, on va passer par ici. Je sais pas exactement où ça va nous donner.
Je sais pas dans quel bâtiment à chaque fois. Je les connais pas très bien en fait du bas vers le haut. Donc ça me permet de me balader aussi. On va virer, on s'en fout. On va essayer de pas trop perdre de temps. On va activer le deuxième levier. Ça va déclencher une alerte qui va potentiellement faire pop des raiders. On va devoir aller à la gare. Après, j'avoue ne pas connaître très très bien les bâtiments. Je pense qu'on peut avoir des trucs intéressants qui apparaissent ici. Mais bon. Enfin, après, je m'en fous un peu du loot. Genre, on a une mission. Ah, sur moi que ça tirait. Il y a du monde dehors. Ok, ça c'est le... hélicoptère. Je sais où on est. Donc nous, on doit aller sur la droite. Est-ce que je peux passer de ce côté-là? Là? Aha! C'est là qu'on doit aller. Ok. Alors. Antidouleur. Comme ça, si jamais ils nous font les jambes pendant qu'on est en train de courir, on peut toujours se mettre à l'abri. C'est très important. Après, ça fait ce bruit-là, cet effet-là, mais ça part vite. Je crois que quelqu'un est rentré. Ah ouais. Oh, le bruit, comment c'est fort. Ah aussi, j'ai tendance à faire un peu attention maintenant. Parce que on a un peu le problème des grenades silencieuses. Où les SCAV et les PMC, ils balancent des grenades. Quand ça tombe, ça fait pas de bruit en fait. Donc... je sais pas si ça a été vraiment corrigé. Je vais juste prendre ça au cas où, si on tombe à court de munitions. Donc du coup, je fais un peu attention à ça. Comment on... je peux pouvoir passer en fait? Parce que je suis pas sûr en fait. Je crois que je vais pas pouvoir passer. Sauter, ça veut... je crois qu'on peut rentrer, mais sortir, je crois que non. On a des fesses trop grosses. Ça m'embête. Je voudrais pas vraiment sortir par l'avant, mais bon, je crois qu'on va être obligé. J'ai entendu du... attends, il n'était pas en train de sortir une grenade, lui. Pas mort. Je pense que c'est que des scavs qui nous ont tiré dessus en fait. Oh, oh. Ah, les fenêtres, hein. Je me suis dit, je suis devant une fenêtre, c'est pas bon, mais bon. Je me suis dit, les deux, ça devrait suffire. Les deux qu'on vient de tuer, ça doit sûrement être eux. Ça va, ils m'ont touché le torse, donc. Vu les dégâts qu'on s'est pris, ça doit être des scaves.
Mais bon, c'est jamais, il y a pas, faut pas prendre ça à la légère. Ça, on a quand même beaucoup à faire en fait. C'est pour ça que je veux pas sortir par l'avant. Et j'avoue que là, le manque de connaissance du bâtiment joue en ma défaveur. Ou alors on trace à droite, on court à droite. Apparemment, après, ils sont sur le côté gauche. Ils sont rentrés. Sont rentrés? Alors, on va aller à droite, allez. Vraiment un endroit de merde. Ok. Très bien. Levier 2. Ok. Maintenant, on va repasser sur la gauche. On va activer le levier, il est juste là. On va aller sur la gauche et on va aller camper à la gare. Attends, comment on va passer à la gare en fait? Est-ce que je fais tout le tour sur le côté gauche? Il y a des bâtiments. Ouais, ça me semble plus safe en fait. Il faut l'atteindre la gare. La gare est loin. Alors, ça va faire une alarme, elle est très forte. Bon, pas vraiment pour moi parce que j'ai un gros casque, mais. Qui marche à droite. On s'en fout un peu. Alors, on n'est pas pressé techniquement par l'alarme, parce que nous, on va pas prendre la sortie alarme. Nous, on va prendre le train, je pense. Je pense que c'est... Que des PMC qui tirent. Je crois pas que le boss soit là. Glucar et ses gardes du corps. Oh. On va prendre le chemin techniquement le plus safe possible pour nous. Pour aller à la gare. J'ai entendu quelqu'un parler? Que le truc c'est qu'il faut, si jamais il y a des raiders, il faut les tuer avant que la deuxième vague de raiders arrive. Je sais pas si deux vagues de raiders peuvent apparaître au même temps, parce qu'en fait ils sont au même endroit. Donc je sais pas si c'est possible ça. Donc sur le doute, on va y aller, on va tuer. Là-bas c'est du... C'est du scav.
Ouais, c'est que du scav. C'est quoi ça devant là? Ah, c'est des palettes. Des palettes en bois. J'ai les clés, on pourrait ouvrir ça, mais comme j'ai dit, je veux directement me mettre en position. Alors on va passer nous, derrière. Est-ce qu'on peut passer dans le bâtiment, devant le bâtiment, derrière le bâtiment? Derrière? Bien. Ah, la gare, elle est là. Donc on est proche. Ça fait quoi déjà? Ça, d'énergie hydrate, très bien. On va remettre ça. Parce que ça, je l'utilise pas assez, j'ai remarqué. Et des fois, on va dire. Bon, ça m'a jamais vraiment foutu dans la merde, mais on va dire que des fois, ça aurait été mieux d'être sous antidouleur en fait. Quand je me déplace à découvert comme ça. Parce que sinon. Enfin en PvP honnêtement on est mort hein, si on se déplace sans antidouleur de planque en planque comme ça. Parce que si jamais on se fait toucher les jambes, c'est fini, c'est mort. On est bon. Mec qui court à droite, je l'entends. J'ai remarqué que le son. À gauche maintenant aussi. Le son, quand j'édite la vidéo sur haut-parleur, en fait, vous entendez quasiment rien quand on entend des pas. C'est un peu abusé en fait. Le son est très. Et le son a changé aussi depuis le wipe, ils ont retravaillé le son, donc il y a quelques bugs encore. Y aller. Maintenant, la question c'est de savoir où ils sont exactement. Je sais pas du tout où ils pop. Je dirais sur les quais, donc c'est pas là, c'est là-bas, c'est ça. On va passer par l'arrière, comme ça on va faire tout toute la partie gare. Alors les raiders, ce sont des scav raiders. Ils ont plus de vie que moi. Ils ont plus de vie que la normale. Ils sont assez bien équipés aussi. Donc faut pas les sous-estimer. Normalement, j'y vais au SVDS ici, sur réserve la plupart du temps. Genre, quasiment tous mes runs, c'était au SVDS. SVDS, genre un mix entre sniper et. Enfin, c'est un DMR, mais pour moi, il est. Il est en. Je crois que ça, c'est des raiders.
Je crois qu'on a trouvé les raiders. On est vraiment pas très... Ils peuvent pas vraiment nous push, en fait. Enfin, s'ils nous push, on les découpe. Donc on n'est pas si mal placé, en fait. Il y en a un qui va à droite. Ouais, il y en a un qui est en train de mourir aussi. On en a tué un, il en reste deux. De ce que j'ai vu. On l'entend cracher ses poumons à droite. Putain, ils arrivent. Je vois pas pourquoi t'es pas mort, toi, direct. Il y en a un qui est sur la gauche. J'ai dû lui mettre la balle dans le bras, en fait. J'en profite de reload, de refaire mon magazine quand je peux. Parce que ceux-là, ils sont très très lents à recharger. L'autre, il doit faire peut-être le tour vers la gauche. S'il y en a un qui est allé sur la gauche. Il y avait des scavs aussi mélangés au raider. J'aurais pas dû tirer. Alors un truc qu'on... Sérieux là? Un truc qu'on pourrait faire, c'est mettre des tripwires sur le quai. Ça pourrait être une solution, mais je sais pas où ils apparaissent. Si je connaissais l'emplacement parfait, où ils apparaissent, on pourrait faire ça. On pourrait miner le champ, en fait. Ça serait intéressant. Ça serait super intéressant, ce système. Fais voir. Ouais, c'était bien des raiders. Pas tous, mais il y avait des raiders. Vu leur équipement, de toute façon. Intéressant. Oh, le train arrive. Est-ce que...
Du coup, ceux qui m'ont tiré dessus, est-ce que ça serait pas des raiders qui viennent d'apparaître? Genre, quand le train arrive, en fait, ils apparaissent directement. Ils apparaissent pas quand le train s'arrête, ici. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'étais pas trop exposé, donc je suis assez étonné que, genre, un scav m'ait vu. Je serais assez étonné. Et ça confirmerait le fait que je pensais bien qu'ils apparaissaient en face, en fait. Oh non, ok. Et le mec était dans les cadavres. Oh la vache, il m'a eu dans la gorge. T'es sérieux? Il m'a eu dans la gorge. Oh, c'est horrible ce jeu. Il n'y a que comme ça que je crève, honnêtement. La gorge. Ouais, gorge. Il était accroupi, en fait, dans les cadavres. Il était sûrement en train de looter, je pense. Et ça, c'est un... C'est sûrement un... Ils ont un nom? Ouais, c'est des raiders. Donc, ouais, c'était bien des raiders qui m'ont vu. Ah. Ah, c'est pas grave, on va récupérer notre matos. Ah, ça fait pas mal de balles, en fait, qui disparaissent. C'est un peu bête. Mais ouais. Genre, tête, gorge. Genre, c'est là, il a tiré là. Genre, c'est complètement con. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de cette hitbox. Et j'avoue que, honnêtement, cette hitbox, elle est un peu débile. Elle est vraiment débile. Genre, on a genre la protection la plus élevée. Genre, le corps est protégé. Le casque protège la tête et tout ça. Et le mec vous tire dans la gorge, en fait. Et ça vous one-tap. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment débile. Parce qu'on était bien placé. On avait bien tout fait. C'était genre tout le raid était genre un sans-faute. Du début à la fin. Là, on avait un mec qui était caché dans les cadavres. Oh, c'était pas volontaire en plus, hein. C'est pas comme s'il avait fait exprès. Hein. C'est juste que, voilà, il était dans les cadavres, quoi. Il y avait trop de cadavres, en fait, empilés. Je l'ai entendu, et en fait, vu qu'il m'a directement tiré dans la gorge, je suis mort, en fait. Donc j'ai même pas eu vraiment eu le temps de réagir ou quoi que ce soit. Aïe, 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 ce jeu. Yay, Tarkov. Voilà, bienvenue dans Tarkov. C'est tout le temps comme ça. Mais j'avoue que la hitbox de la gorge, je la trouve extrêmement, extrêmement grosse. Et c'est juste pas très, très fun, je trouve. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Parce qu'en théorie, la tore protège la gorge. Genre cette partie-là, ça devrait être la gorge, je pense. Mais c'est que de la 3. Donc la PS qu'il avait en 762, ça passe. Enfin, j'en sais rien. Vraiment, je sais pas vraiment comment elle fonctionne, cette hitbox. Mais elle est vraiment très grosse, apparemment. Ouais, elle est super grosse, apparemment. Donc, ouais. En tout cas, c'était Tarkov. On a eu quelques raiders. C'est le bon côté des choses. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.